Der Dick! Vanaheim semble si différent des autres royaumes. Il y fait chaud, comme Asvartalfheim. Mais on dirait que l'air y est lourd. Ygros. Pardon ? Ygros. Humide, en grec.
Kalos. Ça me plaît bien. C'est elle qui les rend si forts. Derrière toi, on garde, à droite. C'est elle qui les rend si forts.
des Zeneriar était là. Prudence. Ils sont passés où? Mangés par une Noken, peut-être. J'en doute. On peut passer par ici. On n'a jamais trop de réserves, hein. J'ai vu une forge dans le camp de Freyr. Est-ce que Brock les aide depuis tout ce temps? Ah, tu ne connais pas encore Lunda. Qui est Lunda? Une vieille connaissance des frères Uldre. C'est la forgeronne de Freyr. Elle équipe et arme ses gens. Waouh, une autre forgeronne légendaire? J'ai hâte d'entendre ces histoires. Sois prudent, Atreus. Hein? Pourquoi? Elle est très... familière. Oh, voyons. Le petit est bien trop jeune à son goût. Quoi? Tu sais, petit, avec cette petite escapade en Vanaheim, tu as désormais visité chacun des 9 royaumes. Je suppose, oui. Peu de mortels peuvent se vanter d'un tel exploit. Pas tellement plus de dieux, d'ailleurs. Même ton père n'a pas encore foulé le sol d'Asgard. Et je ne suis pas pressé. Ils disent Vini dit que Freyr et Bigvir ont été capturés. C'est qui, Bigvir? Un elfe blanc,
un ancien érudit exilé d'Alfheim avec sa femme Beyla, sans doute la meilleure de leurs guerriers. Pourquoi exilé ? Tu devras le lui demander, mais lui et Beyla désiraient voir s'unir leur peuple, et je suppose que ça n'a pas plu. Alors, Beyla est une elfe noire ? Oui. Wow. Bon, j'ai encore plus de questions maintenant. J'espère qu'il va bien.
Mimir, tu disais bien que le Ragnarok aurait lieu quand Skoll et Ati attraperaient le soleil et la lune, non? J'ai dit que c'était prédit, petit. Une prophétie. Et après avoir vu les Nornes, nous ne nous versons plus là-dessus. Mais Odin y croit, lui. C'est sans doute pour ça que les Enariars ont volé la lune. Il essaie encore d'éviter le Ragnarok. Ou bien il s'y prépare, et il livre une guerre factice dans ce royaume pour distraire ses ennemis. Oui, c'est possible aussi. Je peux les sentir là-haut. C'est sans doute leur tanière. Hâte de rencontrer Skoll et Ati, petit. Eh bien, après avoir écouté tes histoires, ça va faire bizarre de les voir en vrai. De la légende à la réalité. Au moins, ça promet d'être passionnant. Bonjour. Je crois qu'ils dorment. Alors, heureux? Les loups célestes de la légende. Je te l'avais promis, n'est-ce pas? Passionnant. Tu te souviens de leur fresque? Ils n'ont rejoint le ciel qu'après le retour de la lune. Puis ils ont chassé une flèche à travers les cieux. Bon, très bien. Nous ferions mieux d'aller chercher la lune pour la remettre à sa place, non? Tout va bien, rien d'étrange là-dedans. Après la fresque des loups, les Enariars ont joué un rôle. En enfermant la lune dans une boîte, si mes souvenirs sont bons. Mais ça ne dit pas où ils ont emporté la boîte. Ah, ça, quand on se sert d'une prophétie comme d'une carte, il manque généralement quelques détails. Le village d'à côté abrite un camp de guerriers. Une véritable forteresse pour cacher leur butin. Commençons par là. À part ils disent Vini et les elfes, qui est dans l'armée de Freyr? Pas tout à fait une armée. Bien que Birgir ait été un soldat arpentant la voie des vagabonds. Il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brisée. Vagabond qui ne veut pas nous tuer?
avant. Je suis prêt. Get out of here!